in the best of times, you walk me through my darkest days. What must I turn around? I ask myself. Why it's hard to walk away. Remember when it was simple things. I'm not really sure these days. Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour ce vlog 100% parisien. Je vais vous emmener partout avec moi, alors on va aller au musée de l'Orangerie voir l'expo Modigliani, au Jardin des Plantes, à l'Institut du Monde Arabe pour une expo sur le parfum, et rue de Verneuil pour un petit clin d'œil aux fans de Gainsbourg. Mais dans cette vidéo, je vous parle aussi de quelques réceptions, donc j'ai reçu des services presse et je vous en parle tout de suite. Et le premier, c'est Mélodie de Martin Suter, c'est un auteur suisse, c'est son premier roman, et c'est aux éditions Phébus. Alors dans ce livre, on va suivre un homme d'influence, un homme très riche, qui n'arrive pas à oublier une femme qu'il a connue dans son passé. Et il va se confier à son secrétaire personnel, et celui-ci va être piqué de curiosité et va tenter de retrouver cette femme qui a l'air d'avoir énormément compté pour son patron. Donc c'est un livre qui aborde le thème de la fiction et de la réalité, et donc ça peut être très intéressant à voir, ce sera peut-être une belle découverte. Le deuxième bouquin, c'est « Deux pains et deux laits » de Carolina Ramqvist. C'est une autrice suédoise, ne m'en voulez pas pour la prononciation. C'est aux éditions Bûcher-Chastel. Et dans ce livre, on va suivre, c'est une autobiographie, et on va suivre l'histoire de sa famille sur trois générations par le prisme de la nourriture. Donc ça peut être très original. Elle va un petit peu explorer tous ces secrets de famille, tout ce qui s'est passé de génération en génération, mais toujours par le biais de la nourriture. Donc c'est un livre qui me tente pas mal et je pense que je vais vous en parler très prochainement. Désolée pour la luminosité, je pense que ça ne va pas rendre terrible en vidéo, mais j'avais quand même envie de vous parler de ce livre, Le Roitelet de Jean-François Gauchemin aux éditions Folio, qui a reçu le prix des libraires. C'est l'histoire d'un homme qui vit à la campagne avec sa femme, et depuis son enfance, il partage aussi son quotidien avec son frère cadet qui est schizophrène. Donc dans ce livre, il va en parler de façon très pudique, mais aussi très touchante. Donc je pense que c'est un livre qui peut être très intéressant. Donc à découvrir, il vient de sortir, donc vous pouvez le trouver, je pense, en librairie.
Aux enfants de la chance qui n'ont jamais connu les trans des dieux et du shit. Je dirais en substance, ceci touchez pas à la poussière d'ange, angel dust en shit ou en shit. Alors ça, c'est typiquement le genre de livre qui a de grandes chances de me plaire. D'entrée de jeu, ça me fait penser à Veiller sur elle, une sorte de fresque historique. C'est Théodore de Laurent Laviolette, aux éditions Chopin. Un grand merci à eux pour cet envoi. C'est l'histoire d'un homme qui a perdu ses parents très jeune et qui va être un peu obsédé par la mort et qui va essayer de devenir immortel en subtilisant les âmes des gens qu'il aime. Donc déjà, tout un programme, ça a l'air super original. Et en même temps, c'est quelqu'un qui est virtuose, il a un talent dans un domaine, alors je ne sais pas encore lequel. C'est quelqu'un de très intelligent, mais en même temps d'hypersensible. Franchement, ça me tente énormément. On est au 19e siècle, si je ne dis pas de bêtises, à Paris, pendant les événements de la Commune. Donc c'est un livre qui me tente vraiment beaucoup.